Salut à toutes et à tous, c'est Mi42 et aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de notre premier let's play sur les Sims 4. J'espère que ça va pour vous les amis. Moi je pète la forme comme d'habitude. Je suis malade. Donc on se retrouve les amis avec notre chère Lila Merlon qui est, regardez, toute triste la pauvre. Elle pense encore à son mari. Je pense, les amis, qu'il serait temps de déménager. Parce que voilà, il y a trop de souvenirs dans cette maison, les amis. C'est un massacre. Que voulez-vous que je vous dise? Elle va penser tout le temps à notre cher camarade. Donc, du coup, ben voilà, les amis. Je pense qu'il serait temps de partir. Let's go, ma petite Lila. On va de suite déménager. Parce que, bon, je comprends que cette maison... soit horrible, hein, tout simplement. Alors attendez, parce que là du coup, déménager le foyer. Allez, ça va te changer les idées, ma petite Lila. Et c'est parti, mon kiki. Allez, on va déménager. On va voir quel petit Audi on peut s'acheter, hein, parce que bon, écoutez les amis, on a quand même pas beaucoup de choses. Quoi? On n'a pas assez. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. ouais, on n'a pas assez. Oh là 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 là. Putain, je crois qu'on est vraiment très pauvre. Je crois qu'on est vraiment des petits clochards, hein. Ouais, voilà, c'est des petites maisons comme ça que je veux, là, des belles petites baraques. Ça fait combien? 29 000 avec la maison. Ah ouais, quand même. Écoutez, je pensais que ça ferait plus. Là, c'est vrai que c'est chaud pour changer de maison. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une maison de merde, quoi. On va avoir une maison de merde. Surtout qu'il y en a... Ah, celle-là, elle avait deux chambres. Trois chambres, même. C'est ça, le truc. C'est qu'on passe deux chambres à une chambre, quoi, limite. C'est des putains de baraques dont on n'aura jamais les moyens de se payer. Bah lui, sa maison a l'air belle, mais bon... Bon, écoutez. On verra ça plus tard. Dans le sens où, là, j'ai aucune idée de quelle maison on va prendre. Et c'est vraiment galère, parce que... ouais, du coup, on a rien, là. Voilà, 30 x 20, je pense que c'est un tout petit quartier, quoi. Tout petit quartier. Sinon ouais, j'aurais bien pris une petite maison comme ça, vous voyez, un bon espace là. Mais écoutez, là je pense que c'est pas possible malheureusement. Bon, écoutez, le déménagement on annule, on verra ça une prochaine fois les amis. Dès qu'on aura un peu plus d'argent, on va voir comment on peut se débrouiller. Mais cette maison va changer radicalement, ça je peux vous le dire, parce que oh là là, je n'en peux plus de cette maison, je n'en peux plus. Elle est moche, quoi. Elle est moche. En plus, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Donc, ouais, vous inquiétez pas. On changera bientôt. Putain. Oh là là. Non, mais écoutez, mais c'est limite... Et non, je dois payer les factures. Oh là là. Écoutez, on va payer les factures. Et puis, on va se mettre à réparer tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire tout ça, notre petite Lila, elle est pas bien, donc elle va dormir. Je voulais savoir aussi, les amis, ce que vous pensiez du prochain add-on sur les Sims 4. Écrivez-moi en commentaire ce que vous imaginez, voilà, de ce qu'il va y avoir, si l'add-on va vous plaire ou pas, si vous pensez qu'il va vous plaire. Parce que moi, franchement, cet add-on, je l'attends. C'est vrai que sur les Sims 4, j'ai tendance à m'ennuyer, parce qu'en gros, il y a... pas grand chose à faire, et voilà, j'espère que cet add-on va apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, qu'on pourra enfin faire plein de choses, genre limite tout ce qu'on veut, et que voilà, on puisse avoir des magasins et tout ça. Oh là 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 là, ah, j'ai hâte. Donc voilà, j'ai hâte de savoir aussi ce que vous en pensez, vous, ce que si ça va vous plaire ou pas. Alors attendez, non mais ça me pète les couilles, je déteste entendre ça là, qui goûte comme un porc. Oui, allez, je vais te soigner. Me fais pas chier. Changer la couche sale. Putain de bébé de merde. Voilà, décontente. on va faire serrer dans ses bras. Putain, en espérant qu'on puisse avoir vraiment une nouvelle truc, quoi. Oh là là. J'espère qu'on va pouvoir avoir... Oh, Victoria est de retour de l'école. Elle n'a pas de quoi être fière, son travail est tout juste satisfaisant. Mais bravo. Hein, méchante fille. Hein?
Elle s'en bat les couilles. Oh là, qu'est-ce qu'elle a? Oh, très triste. Allez, fais un petit câlin à ton nounours. Oh, la pauvre. Serre l'hélico dans ses bras. Allez, on lui serre dans ses bras. Hop, voilà. Putain, on peut pas. Ah, l'électricité a été coupée, d'accord. J'avais déjà oublié ça. Donc, bah, écoutez, on va aller là. Et puis, bah, écoute, Lila, pourquoi tu irais pas te baigner avec ta fille pour pas aller un peu... Quoique, ben non, écoutez, on va jouer avec elle, la pauvre. La pauvre petite, on s'occupe plus d'elle. Enfin, ah, essayer de réconforter, ça c'est trop chou, ça. Ça c'est trop chou. Je veux essayer de faire ça. Oula. Vous avez 24 heures pour payer votre facture. Mais oui, t'inquiète, on va la payer. Hop. Ah, mais oui, c'est toujours par le décès de son père, c'est pour ça. Non, mais... illuminer la journée, voilà. On va faire plus de choix, on va faire amical. Essayer de réconforter, voilà, ça c'était trop chou comme action. Oh, elle est chouki. Allez, on va complimenter, on va lui faire une petite blague. Une petite blague pour voir si elle est contente. Moi j'aimerais, voilà, rapprocher mes liens avec ma fille et tout ça, quoi. Elle est où? Elle est là. Oh ouais, on est super amis, c'est cool ça. Révéler un secret bien enfoui. Oula. On se demande ce qu'elle va révéler à sa fille, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire... Allez, embrasser. Voilà, parce que bon, c'est notre petite fille quand même. Ah! Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Rencontrer une nouvelle personne. Ouais, ben ça, on verra. Oh, exprimer son amour! Oh, il y a plein d'actions trop chou, franchement! C'est trop classe! Ah, et attendez, on va faire une photo ensemble. Allez hop, prenez un petit selfie là. Classe! Bon, ben c'est super. Allez, on a fait connaissance. Allez, pour ce soir, on va faire des petits. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des petits hamburgers pour faire plaisir. D'ailleurs, ça me donne envie de manger un hamburger ce soir, quoi. Ah! Allez, on se fait des petits hamburgers, comme ça ils seront tous contents. Ah, dégueu! Elle a repris le truc qui était tombé par terre, quoi. Donc voilà, on va faire nos petits hamburgers tranquillement pépère. Ah oui, désolé aussi les amis qu'il n'y ait pas la webcam. C'est parce que j'ai eu un petit problème avec celle-ci. Donc du coup, ça a complètement foiré. Ça a complètement foiré. Elle voulait pas se démarrer, elle voulait pas enregistrer. Au bout d'un moment, j'ai dit, je laisse tomber. J'en ai plein le cul, je laisse tomber. Allez. Oh, bah c'est bon, mais prenez un petit truc. En plus, à la fin, bah, c'est parfait. Allez, prendre une portion. Qu'est-ce qu'elle a, elle supplie de quoi? Réclamer de nouveaux jouets. Oh! Ah, la petite peste! Et elle va lui acheter? Non, voilà. Hop. Bah écoute, prends une portion toi aussi. T'as faim. Comme ça, vous discutez ensemble et puis c'est parfait. Ah, par contre, c'est assez con qu'elle mange comme ça, mais bon. Allez, elles font leur petit truc. Oh, elle mange au bord de la piscine! Sympa! Ah, l'hamburger bien dégueulasse qui doit dégouliner dans la piscine, vous savez. Trop chou, son petit pyjama et tout. Bon, et Lila, va falloir qu'elle se trouve un nouveau mec, là, les amis, là. Parce que... Qu'est-ce qu'elle branle, là? Là, elle fout rien du tout, hein. Bon, pas de nouveau gosse, hein, parce que, bon... Hein, on n'est pas suicidaire. Ah, merde, le bébé pleure encore. Oh là là. Non, mais encore, je te la couche sale. Mais vous êtes sérieux? Et après, on va faire nourrir, on va faire allaiter. Voilà. On va faire changer la couche sale. Voilà, comme ça, il sera content. Hop. Et puis, on va faire une grimace. Et puis, bercer. Voilà, on fait ça. Ensuite, on va aller refaire notre petit sport. Course d'endurance. Notre Freddy, il est revenu du boulot. Bah, il a l'air bien, là. Il a l'air posé. Tu vas me nettoyer ça, mon gars. L'autre, il va dans sa chambre, tranquillou. Et puis, les amis, pourquoi pas avec Freddy? Hein? Ah, je sais, là, que vous voulez tous que Lila et Freddy se mettent ensemble. Écoutez, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas voir ce qui pourrait se passer? Et puis, voilà, on pourrait voir... Ah, par contre, éclairage automatique, tous les éclairages. Voilà, comme ça, on a un peu de lumière, quand même. Là, on était un peu dans le noir, ça faisait un peu flipper. Bon, lui, il va se coucher. Elle nous fait quoi? Ah, bah, elle en...
Ah, j'ai envie qu'elle joue aux Sims. Allez, joue. Ah, vive les Sims. Allez, ma petite. Elle s'éclate là sur son petit truc. Ça me fait kiffer de voir ça, ça me fait kiffer. Elle est en train de faire son sport tranquillement. D'ailleurs, elle en est où, à combien au niveau sport? Elle doit avoir pas mal de compétences là quand même. Oh yes, on a encore des. Ah non, je croyais qu'on avait des petites boîtes à ouvrir. Niveau 5. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle va être belle gosse après. Hop, allez, on va aller se laver. Hygiène, prendre une douche. Tu vas aller faire pipi. Et puis bah après tu vas aller faire les trucs là, vive les Sims. Jouer. Ah, elle peut faire un autre truc elle. Bah vive les Sims allez aussi. Toi tu vas aller te coucher parce que bon c'est pas tout. Mais demain t'as peut-être cours ma petite. Allez toi finis tes trucs là. Dépêche toi. Oh putain, mais j'ai hâte que Lila ouvre son petit commerce là. Ouh là là, ça va être bon. Peut-être économiser du coup pour le petit commerce, ça pourrait être sympa. Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte qu'on ait un super commerce et tout. Ah, ça risque d'être trop bien. Oh putain, elle se couche à 1h du mat, elle, tout va bien. Demain, y'a cours. Tout va bien. très triste, ça va durer combien de temps? Putain, encore, ouais, oh là là. Elle d'ailleurs, bah ça va, tranquille hein. Nostalgie familiale. Bon, bah écoutez, elle a pas été choquée plus que ça. Ou alors elle s'en remet mieux parce qu'elle est adulte et du coup elle se dit, bah voilà, hein, c'est pas grave, c'est la vie. Mais bon, écoutez, de toute façon, elle devait s'y attendre. Hein. C'était un vieux connard. Non, il était gentil. Ah ouais, va falloir atteindre la compétence. Bon, écoutez, on va aller dormir. On va aller dormir et puis on essaiera d'atteindre la compétence demain. Mais effectivement, il va falloir un peu se bouger le cul. Parce que la compétence malice, là, j'ai un peu de mal à l'augmenter. Ah oui, d'accord. Oui, elle doit pas être contente. Oh non, mais encore la couche sale. Mais what the fuck, ce gosse? Vous êtes sérieux? Oh là là. Allez, dormir. Putain, le gosse, quoi. Il se pisse tout le temps dessus. Ou caca, je ne sais pas. Non. Non, mais tu repleures pas, là. Non, mais t'es sérieux? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le gosse casse-couille, quoi. Oh là 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 là, bon, écoutez. Ah, Freddy en a marre aussi. Je pense qu'il est en mode vénère. Non mais, Lila, essaie de dormir, s'il te plaît. Essaie de dormir, ma petite, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Je me demande là si on va pouvoir faire un peu de drague. Tu vas aller vite manger un repas rapide. D'ailleurs, tu as pas un truc toi à faire pour le boulot là? Non, c'est bon, on avait écrit tous nos trucs. Mais en plus, il travaille pas aujourd'hui. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas le rendez-vous romantique aujourd'hui? Hein? Le gros pervers. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit. Non, mais attendez, là, la gosse, elle a un bug quoi. Elle a un bug. Elle nous casse les couilles. Nourrir au biberon, tu me fais chier là, babiller. Je sais pas, bercer, mais qu'est-ce qu'elle a? La gosse trop casse-couille quoi, elle a pleuré 4 fois cette nuit. Non mais j'espère qu'en vrai c'est pas comme ça un bébé. Enfin, ça pleure pas autant. J'espère avoir un bébé calme un jour si j'en ai un, vous voyez, parce que si j'ai un casse-couille comme ça, je l'égorge. Non, je rigole. Non. Non, allez, c'est méchant. La pauvre, mais oh putain, elle est chiante quoi. Allez hop, tu vas aller, écoute, draguer Freddy, allez, complimenter sincèrement, on commence, peut-être qu'une histoire d'amour va sortir de là, voilà. Hop, draguer, on essaie. Nous on drague direct, hein. on perd pas de temps. Oh, Freddy, tu n'es pas insensible, dis-moi. Normalement, voilà, il devait être juste coloc, hein, de base, quand on avait pris Freddy. C'était pour tester les fantômes quand ils étaient sortis, et putain, ça chope, quoi, ça chope. Hop, voilà, on va parler un peu, augmenter notre amitié. Victoria, elle a pas fait ses devoirs, super. Écoutez, je pense qu'on est bien parti avec Victoria pour qu'elle soit un peu une cassasse. Donc, du coup, on va faire amour... complimenter l'apparence. On va faire draguer. Enfin voilà nos petites techniques habituelles. D'ailleurs il y a un peu d'amour qui se crée, c'est super. Mais j'ai bien envie qu'on augmente vraiment notre truc amical.
Vous voyez, pas comme d'habitude où on augmente trop vite. Vraiment qu'on augmente le truc amical à fond. Et que ensuite, voilà, ce soit parfait, on puisse faire ce qu'on veuille, quoi. Discuter des centres d'intérêt. Voilà, comme ça, on voit si on est bien compatible. Et puis écoutez, on pourrait acheter une chaise pour se faire des petits scrabbles, hein? Des trucs bien casse-couilles, quoi. Hop. J'en ai marre, par contre, qu'ils bougent les sims à chaque fois. Vous avez pas remarqué qu'ils font que bouger? Ils font que se déplacer quand ils parlent à quelqu'un d'autre. C'est chiant. Regardez, regardez. Ils étaient en train de parler et ils repassent quelque part, à un endroit. Et là, ils vont se remettre à parler. Enfin, le truc trop con, quoi. Ouais, on va faire des trucs de merde. Raconter une histoire drôle. Ah, encore un contrôle sous forme de QCM. Victoria a presque fini lorsqu'elle réalise qu'elle a sauté une question au début. Oh putain, presque toutes ses réponses sont donc décalées d'une ligne. Ça, c'est le truc qui nous est tous arrivé. Elle commence à tout expliquer à l'instituteur, mais elle se rend compte qu'elle va devoir repasser le test. C'est juste pour les statistiques scolaires régionales, car ses résultats n'auront pas d'influence sur sa moyenne. À vos erreurs. Comme craignait Victoria, l'instituteur lui reproche son insouciance et la fait revenir pendant la récréation pour repasser le QCM. En colère, Victoria répond de manière aléatoire pour que toutes les cases cochées fassent un joli motif. Sans même regarder les questions. Bah écoutez, voilà. Victoria est une rebelle, c'est une thug. Victoria, la thug. Je vais faire un zoom sur sa tête avec Thug Life. Oh, non, on peut pas. J'aurais bien fait une activité de groupe, mais écoute, tu vas aller courir. Ça va te mettre bien. Victoria, je me demande quand c'est qu'elle va revenir. Toi d'ailleurs, si tu pouvais t'entraîner à écrire un livre, ça pourrait être sympa. C'est qui celle-là? What the fuck? Ah, mais c'est la femme qui fait nos... qui fait notre vaisselle et tout ça. Ouf, je me suis dit, c'est qui celle-là? Elle se ramène chez moi, tranquille. Tout va bien. Non, non, c'est la femme de ménage, les amis. Donc, allez, on s'entraîne à écrire. Allez, elle revient de quand, Thug? Notre Thug national, là. Ah, mais elle est encore à l'école, hein. Putain, elle en a pour longtemps. Réviser assidûment. Mais écoutez, on va faire ça. On va faire ça, histoire de voir si notre petite, là, elle est bonne à faire quelque chose de sa vie. Ah, et attendez. Non! Attendez, attendez, attendez. Là, il y a juste un mec, là. Hop, appelez. Allez, allez. Est-ce qu'on peut faire un truc? Nickel. Nickel. Nickel, nickel. Je pense qu'on va s'entraîner sur lui, les amis. Présentation amusante. Enfin, voilà. Voilà, on va être sympa. Écoutez, on va faire connaissance tranquillement. Et ensuite, on va commencer à faire de la malice sur lui. Quoique, bah écoutez, on peut faire déjà lancer une rumeur grotesque. On peut faire poignée de main vibrante. Voilà, des trucs pas trop méchants en malice. De fausses mauvaises nouvelles. Voilà, on va faire des petits trucs comme ça. Ça le fait rire, lui, ça le fait rire. Donc écoutez, moi aussi, hein, ça me fait rire, hein, pourquoi pas. Malice, on va faire décrire l'apocalypse, genre. Pourquoi vous venez là tous là me faire chier? Dégagez de là. On va faire raconter une histoire. On va lui raconter une histoire, on va pas trop faire truc de malice parce que sinon ça va partir en couille, je le sens. Mentir sur la carrière, écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Malice, faire les poches. On fait pas mal de petits trucs histoire de le mettre en confiance. Écoutez, voilà, on va faire tout ça. Et ça a l'air d'augmenter en plus, hein. Ça a l'air d'augmenter. Yes, malice, c'est bon, les amis, c'est bon, on est passé. On est passé. Donc je pense que voilà, bah, d'ici peu on va pouvoir avoir notre petite promotion. Lui il a l'air adoré, hein, qu'on fasse de la merde en maïs, hein. Mais bon écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Prétendre être un génie criminel. Écoutez, on va faire ça. Voilà. Allez maintenant. Ciao mon gars, tu m'as fait augmenter mon niveau. C'est tout ce que je voulais. On va faire pipi comme une championne. Oh putain, on a encore ça. Bon écoutez, je le remplace en le payant. Oh, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre de... d'à chaque fois être emmerdé comme ça.
On va aller juste essuyer la flaque parce que bon, elle n'est pas passée pour rien, la femme des ménages. Hein. Et puis, bah, écoutez, les amis, on va aller acheter des jouets. Vous voulez des jouets, notre petite fille. Donc, on va aller acheter, voilà, ça. Comme ça, elle est contente. Au niveau de ses souhaits, proposer un plan fou à quelqu'un. Dans la catégorie amicale, les Sims peuvent effectuer des interactions sociales. Ah, écoutez, dans le truc amical, pourquoi pas? Proposer un plan fou. Voilà, bah, écoutez, on va faire ça. Il a l'air ok, hein? Écoutez, on a fait nos trucs. J'aimerais bien voir à peu près ce qu'on peut faire. Discuter des centres d'intérêt. On va faire quoi? On va faire demander comment s'est passée la journée. Enfin voilà, des petits trucs sympas. Et conversation profonde. Profondo, parce qu'on a confiance. Au niveau des points, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir là bientôt? Être témoin de la mort d'un sim, donc ça me casse les couilles, hein, tout simplement, on le dit. Et là, ouais, on a que 715 points, putain, on peut rien faire. Ah, j'aurais trop aimé faire d'autres choses, vous voyez. Pouvoir acheter d'autres trucs. Quoique pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais bon. Espérons que ça s'arrange avec les petites add-ons. Victoria n'est pas la première élève de l'établissement à avoir décès. Elle ne sera pas sûre la dernière, mais le week-end ne serait-il pas l'occasion d'améliorer ses notes? Bien entendu. Mais regardez, on a la thug. Notre thug est là. Là voilà. Ah, n'importe quoi. Oh, le bébé, merde, il pleure. Hop. Hop, on va faire nourrir, allaiter, on va faire apaiser. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parler, on va faire dos de lignée. Enfin voilà, on va s'occuper du bébé. Toi, ma petite Victoria, là. Oh putain, tu as fait de la merde, tu vois. Hein. Déjà, tu pues la chaussette. À l'école, t'as dû te faire chambrer un peu. Elle pue la merde, quoi, la meuf. Hop. Et allez. On fait notre petite douche. Bah du coup, vu que c'est le week-end, tu vas pouvoir faire tes devoirs parce que là, c'est catastrophique. Oh. Ouais, ça, on verra. Faire ses devoirs. Allez, fais tes devoirs parce que ouais, là, c'est la merde. Franchement, au niveau des notes, je sais pas du coup si sa mère peut l'aider un peu. Ah, ou Freddy, pourquoi pas. Écoute. Est-ce qu'on peut essayer de réconforter, consoler à propos de la mort. Ok. Bah ouais, vu qu'il est mort, du coup, il peut l'aider. Écoutez, ça, on fera ça. Après, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, on va lui mettre les petits jouets dans la chambre. Hop. Perfecto. Ma petite Lila. Tester ses techniques de drague devant le miroir. Bah écoutez, pourquoi pas. Fais tes trucs, hein. Sois contente. Hop, en plus ça te fait augmenter une compétence, c'est parfait. On va s'occuper un peu du gosse parce que sinon il va nous faire chier dans 2 secondes après. Bercer, on va faire ça, comme ça il s'endormira. Elle est là, elle est tranquille, hein. Bon, elle est rassurée, du coup c'est cool. Elle va faire ses petits devoirs. C'est dommage que vous voyez, il n'y ait pas des trucs genre devoirs en retard ou des trucs comme ça. Oh, ça aurait été tellement bon. A fait ses devoirs pour aujourd'hui. Mais c'est super! C'est super, ma petite! Alors attendez, est-ce qu'on peut. On pourrait faire un câlin à lui? Demander conseil. Ah, c'est mignon ça! Se plaindre des problèmes. On pourrait faire quoi? Amical. Parler de l'école, voilà, comme ça elle sera bien. Et en plus, c'est cool, il tisse des liens quoi. Révéler une brillante. Intention ou invention. partager des idées brillantes. C'est vrai qu'elle est intelligente. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire quoi? Parler. Ah, se renseigner sur le fait d'être mort. Écoutez, comme ça, ça sera une petite fille éduquée. Hop, elle va nous faire tout ça. Freddy, tu vas nous faire un bon petit plat là. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire? Oh, haricots ou saucisses? Bah écoutez, why not? Pourquoi pas faire ça? Elle va aller jouer dans sa chambre avec ses nouveaux jouets. Là, les nouveaux petits jouets.
Appuyez pour faire parler. Ah, c'est marrant ça. Attendez, on va le faire. On va le faire, on va écouter le bruit que ça fait. Je me mets en silence. Consomme ça. Bah écoute, tu vas jouer avec, pourquoi pas, tu vas t'amuser. Hein, tu vas t'amuser, hein. Elle fait ses trucs, s'admirer dans le miroir, pourquoi pas, hein. Allez, s'admirer. La meuf qui se la joue trop. Ah merde, par contre le bébé pue. Ah, elle peut le changer elle ou pas? Ça serait trop chou qu'elle puisse le changer. Ah non, elle peut pas malheureusement. Ah c'est con. Ah j'aurais trop aimé qu'elle puisse changer, ça serait trop chou. Genre la petite sœur qui s'en occupe et tout. Ouais non mais en fait Freddy, tu pourrais t'en occuper. Ok, le mec va poser le plat à l'autre bout, on sait pas pourquoi. Hop, et tu vas faire serrer dans tes bras. Et ensuite tu vas faire bercer. Voilà, comme ça il va dormir. Toi aussi d'ailleurs tu vas aller dormir. Demain je crois que tu bosses en plus. Non. Putain mais le mec branle rien quoi. Il est jamais là quoi. Oh. Il est jamais au boulot. Et toi ma petite Lila, bah, tu vas dormir aussi parce que tu as l'air fatigué. Toi c'est le week-end donc écoute, bah, t'as le droit de regarder la chaîne des enfants tard. Voilà, comme ça tu te poses. Enfin tard, il est 22h hein, mais bon c'est des fois abusé. Donc c'est parfait. Nickel. Donc tout le monde fait ses trucs. Alors attendez, je réponds juste à un petit SMS. Hop. Là ils se disent mais dans quoi dans le jeu tu mets ça? Dans quoi dans le jeu tu écris des SMS? Non, c'est IRL, dans la vraie vie. putain, c'est glauque d'avoir l'urne là, comme ça, dans la pièce. C'est pour ça qu'elle y pense, la meuf. Allez hop, on met la tombe là. Ah ouais, d'ailleurs, non, parce qu'il va revenir. Bon, j'espère qu'il va pas revenir à la vie, ça serait assez chiant. Allez, espérons que ça aille. Elle vient de péter? What the fuck? J'avais jamais vu un gosse péter. Oh, ça fait bizarre. Allez, on va jouer avec Lico et ensuite on va aller dormir. C'est parti, parce que bon, c'est pas la fête non plus, hein, ma petite. Ah, elle augmente une compétence. Ah, compétence créative, cool. Allez hop, et tu vas aller dormir, ma petite. Et puis voilà les amis, hop, tout se déroule bien, tranquillement. J'ai hâte que Lila aille au boulot, en fait. J'ai hâte que Lila parte au boulot. Ah, ce soir en plus elle travaille, parfait. Non, je sais pas pourquoi je change la couche. On va faire apaiser, nourrir. Hop, et on va faire je sais pas, bercer. Voilà, comme ça on voit. Oh, il est trop chou Freddy hein. Il veut tout le temps s'en occuper quoi de la gosse. On a vraiment de la chance de l'avoir quoi. Oh, faire rare avec. Ah, là ça m'a tout cassé là. Je me suis dit ça va être Freddy. Même pas. Ça va être Freddy et non pas du tout. Bon bah écoutez, voilà, on est déçus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Freddy a déjà assez dormi ou quoi? Ah ouais, ok. Non mais il a pété la truc. Oh, il fait chier franchement ce mec. Il fait chier, bah de toute façon c'est lui qui va la réparer, hein, donc moi j'en ai rien à foutre. Pète tout ce que tu veux mec, hein. Moi je m'en fous. D'ailleurs je me demande si un fantôme peut devenir gros. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir gros? Ah mais what the fuck. J'ai confondu Freddy avec ce mec. C'est Gabriel en fait qui est revenu quoi. Oh, ça m'a choqué. Ça m'a choqué les amis. Je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là le mec? Qu'est-ce qu'il fout là sérieux? Ah il est revenu. Putain il fait chier ce mec. Oh là là. Bon écoutez les amis, toute manière on va se quitter sur ce. C'est la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On avance petit à petit voilà dans la vie de Lila. Prochaine fois avec Lila on aura sûrement fait un petit détour par la donne. Et du coup voilà on se dira, on a de nouvelles perspectives enfin. Et puis espérons que ça se fasse avec Freddy. Écoutez, moi je vous dis à tout ciao les amis et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. J'aimerais partir. J'ai des droits. J'ai des droits.